Guérien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 1er au 7 août 2022. Oui. mon Dieu. Plus on devient vieux, plus ça passe vite. Quelle affaire. Bon, allez, on va faire le tirage en 13 cartes. Aujourd'hui, on y va les amis. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que nous allons passer encore une belle semaine. Voilà. Est-ce que vous avez été en vacances? Est-ce que vous êtes revenu déjà? Est-ce que vous allez partir? Ça m'intéresse aussi tout ça. Moi, je pars pas. Peut-être en septembre, je sais pas. On verra. Parce que je pars avec mes petits chiens. Alors, il faut que je trouve de la place. Je vois une petite pince que je vais mettre là. Bon. Allez, on y va, les amis. La coupe. La coupe, qu'est-ce que ça nous dit ici? On vous demande de patienter encore un petit peu. Alors, on patiente. Il y a deux choses qui sont importantes, qui sont en train d'arriver vers vous. Bah déjà, l'amour qui arrive vers vous. Vous allez recevoir, ça nous parlera de mariage, d'une demande en mariage, en tout cas de quelque chose, d'une surprise, de quelque chose qui va, très positif qui arrive vers vous. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une demande en mariage. Voilà, quelque chose qui concerne le côté amoureux ou sentimental, hein, d'accord? Et puis, on a aussi, on vous demande encore un peu de patience, et peut-être qu'il y aurait des dépenses qui seraient imprévues. Peut-être des dépenses imprévues, des paiements. On va peut-être recevoir des demandes de paiement alors que vous pensiez que c'était peut-être pas maintenant. Peut-être aussi, je vois des. Par rapport à un bâtiment, une dépense imprévue par rapport à un bâtiment. J'ai aussi, je vois aussi une assurance où justice, argent, dépense, bâtiment. Voilà. Alors, argent, dépenses, c'est un tirage général, hein. Donc, il est possible aussi que ce soit une rentrée d'argent. Parce que là, ce serait la dépense de quelqu'un d'autre pour vous. Mais bon, c'est parce que c'est un tirage général, hein, sinon non. Ok, on y va. Allez, on prend 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dos de deck. Le cavalier de trèfle. On nous parle ici de déménager, de déménagement. On nous parle de toute façon de quelque chose qui arrive vers vous comme un courrier, comme quelqu'un qui va vous dire quelque chose, un SMS, quelque chose d'écrit. On nous parle aussi d'aventure. De voyage. De voyage et de messages passionnés. Alors, par rapport à l'amour, peut-être, mais aussi par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc, peut-être un métier, peu importe, une passion. Donc là, vous allez avoir des...
recevoir un message, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je m'en doutais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, il faut toujours que je mette mes cartes d'une certaine manière. Voilà. Alors, on y va. On commence. Qu'est-ce que nous avons? On a ici un manque d'énergie. Peut-être qu'on en a marre un petit peu du train-train quotidien. On en a peut-être un peu marre. Alors, manque d'énergie peut-être aussi dû à un blocage ou à une épreuve à passer. On a peut-être encore une épreuve à passer. C'est très possible. Là, j'essaie de ne pas oublier de les dire parce que j'oublie souvent ça. Mais on a la balance troisième décan de la balance, si ça vous parle. Alors, là, on a le Capricorne, deuxième décan. On a ici rendez-vous, on doit donner des explications. Ce sont des propositions positives, des explications, des rendez-vous. En tout cas, c'est une carte de grande réussite, hein, de réussite, des accords positifs. On signe des contrats, c'est la carte de la signature. C'est la carte donc où on pourrait se rendre. Donc, pour un rendez-vous, pour conclure quelque chose. Voilà. Donc, cette semaine pourrait être, justement, sera probablement une semaine de réussite d'accord. Bélier, troisième décan. Alors, ici, on a un. Ben voilà. Donc, peut-être que, justement, ici, je ne dis plus les trucs, ça me perturbe. Les signes du zodiaque, ça me perturbe. Donc, alors, on a ici, cette semaine, on est en train de vivre un petit peu dans la routine. On en a marre un peu de cette routine, ça nous bloque, on en a vraiment marre. Ça tira général, il ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Alors, on va, du coup, ici, il y a quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qui va se concrétiser. Alors oui, ça peut être quelque chose de nouveau, de nouvelles propositions de contrat, propositions entrer dans des négociations, etc., etc., prendre des rendez-vous, recevoir ou donner des explications. Voilà, donc ça, c'est aussi par rapport à cette semaine. Donc, je crois que le train-train quotidien, il va bien changer. Il s'apprête à changer de toute façon. On est dans les négociations, dans les signatures. Du coup, il y a une situation ambiguë qui va s'éclaircir. Il y a une situation ambiguë qui va s'éclaircir. J'ai peut-être un voyage, un déplacement. Peut-être qu'on va se déplacer par rapport justement à ce contrat ou à ce que l'on va... par rapport à ce que l'on va négocier. Il faut mettre les mots par rapport à vous, hein. À votre situation. Alors, il y a peut-être quelqu'un près de vous, ou c'est vous, qui êtes un peu démotivé. Vous êtes un peu démotivé, limite vous, ou quelqu'un qui est près de vous, qui est un petit peu paresseux, quelqu'un qui... Voilà. Donc, ça, il faudrait... vous devez prendre une décision par rapport à ces énergies de paresse et ces énergies de démotivation. Mais donc, il y a des énergies qui sont
pour vous ou des énergies qui sont pour quelqu'un d'autre. Oui, donc peut-être qu'il y a une personne qui est un petit peu toxique près de vous. Voilà, alors là, vous devez rompre. Vous devez prendre une décision. Ça peut être une collègue, un collègue, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vous... Voilà, quelqu'un qui ne vous aide pas et qui ne vous aide pas et justement qui vous conforte dans ce train-train quotidien, peut-être au boulot. Donc cette personne, elle est un peu toxique pour vous. Alors, on a quand même ici la réussite. On a la réussite. On a une grande fatigue. Et je pense que vous êtes dans des énergies, vous manquez d'énergie, effectivement. Vous manquez d'énergie, vous êtes dans une grande fatigue, ou cette semaine, vous allez ressentir une grande fatigue, vous allez ressentir peut-être le besoin de vous isoler, peut-être aussi pour certains. Oui, le besoin de vous isoler. Et le besoin de vous reposer. On a besoin de repos, peut-être les vacances aussi. Besoin de vacances. Besoin de, alors, le besoin de repos, la carte de la fatigue, la carte du repos, dans ce sens-là, pourrait nous parler de cette personne-là avec qui il faut rompre pour justement retrouver son énergie. Une personne, il ne faut plus faire attention à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous pompe votre énergie, en fait. Alors ici, il y a une personne qui pourrait vous conseiller, probablement une dame, mais pas spécialement puisque c'est un tirage général. Donc ici, on est vraiment sur une personne sincère qui va vous conseiller, mais ce seront de vrais conseils. Ce ne seront pas des conseils, vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais celle-ci, je pense que de toute façon, il ne faut pas non plus aller parce qu'on va vous dire jette-toi dans l'eau, allez vous jeter dans l'eau. Hein. Mais ici, il faut prendre des décisions. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Et si vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre, à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, eh bien, il faut peut-être que vous alliez demander conseil à quelqu'un. Cette personne sera sincère. Donc, une personne sincère, une personne honnête, une personne de bon conseil. Ah, alors ici, on avance vraiment vers du positif. Donc, on est vraiment dans des énergies pour certains de grande fatigue, on en a ras-le-bol. Ben là, vraiment, les choses sont en train de changer. On a des rendez-vous. Alors, le rendez-vous, ça peut être aussi un rendez-vous d'amour, puisque on avait. Oui, on avait le messager, il me semblait que j'avais un messager quelque part. On a le messager ici, donc messager par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc, rendez-vous, peut-être aussi suite à un échange écrit, suite à une demande de la part de quelqu'un, tiens, une invitation, voilà. Une demande de la part de quelqu'un, tiens, on pourrait aller manger. Non, une invitation, ça s'appelle. Voilà, donc il y a peut-être ça qui se profile à l'horizon pour cette semaine. Je peux aussi voir une rencontre en voyage. Ou pas, en déplacement, mais ça peut être aussi une rencontre là où vous habitez. Voilà. Et on a ici les affaires qui réussissent. On a de l'argent. On a vraiment une réussite complète et une notion de rapidité. On a une notion de rapidité. On a une notion aussi de protection. Il est peut-être possible qu'une personne vous aide financièrement. Donc, la personne qui pourrait vous conseiller va vous conseiller vers quelque chose qui va vous aider financièrement. On a vraiment ici la réussite, c'est certainement aussi en rapport avec les signatures, les contrats, mais c'est aussi par rapport aux affaires, par rapport au travail, par rapport à l'achat, la vente d'une maison. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle réussite. Oh, je confirme les dépenses imprévues ici.
On a des dépenses imprévues. Oui. On a encore la carte du repos nécessaire. Ah, les dépenses imprévues, ça pourrait être par rapport à l'achat d'un cadeau. Alors, peut-être que vous allez recevoir un cadeau empoisonné parce que vous allez devoir le rendre, ce cadeau-là, d'une autre manière, parce que c'est comme ça. Ben voilà, ce n'est pas quelqu'un qui attend de vous de recevoir quelque chose en compensation de ce que cette personne vous a offert, mais vous vous sentez redevable, vous vous sentez redevable par rapport à une personne. Ce n'est pas par rapport à la personne qui vous a prêté des sous éventuellement, mais c'est par rapport à quelque chose que vous allez recevoir, un cadeau. Pour certains, bien sûr, c'est un tirage général encore une fois. On vous demande, il y a vraiment ici du repos, du repos, du repos. Manque d'énergie, repos. S'isoler, la grande fatigue, on a vraiment ces énergies-là. Mais on en sort, hein. On en sort parce que justement les choses sont en train de changer. J'étais où moi? J'étais là. Hein. Non, j'étais là. Attendez, vas-y. Ok. Alors, ici, je confirme qu'une personne va s'éloigner de vous ou que vous devez vous éloigner d'une personne suite à peut-être une dispute, suite à quelque chose qui... En tout cas, vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou cette personne n'est pas d'accord avec vous et donc il y a l'éloignement de cette personne ou l'éloignement... vous vous éloignez d'une personne. Alors, waouh, 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 on a de bonnes nouvelles ici, on a de bonnes nouvelles et on a une opportunité à saisir. Ça peut être un courrier qui va arriver, mais c'est une belle opportunité à saisir et n'oubliez pas que, ou des opportunités, d'accord, mais n'oubliez pas que les opportunités, c'est la chance et la chance est éphémère. Donc, il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Donc, lisez entre les lignes. Peut-être que vous allez vous promener et vous allez voir un panneau maison à vendre ou je sais pas. Et faites attention à tout ça parce que ce sont des signes qui pourraient vous apporter quelque chose de nouveau et de très 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 positif. Mais faites attention cette semaine aux signes qui pourraient vous être présentés. Alors, je dois vous dire quand même que ce qui est trop beau pour être vrai est peut-être trop beau pour être vrai. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait vous vouloir du mal. Il y a quelqu'un qui pourrait mentir, qui n'a aucun scrupule ici. Et il faut vraiment que vous ayez conscience que pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir ici d'une opportunité, d'une fausse opportunité ou de quelqu'un qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. Mais il y a aussi de l'or qui brille. Donc, à vous de bien réfléchir. Si l'opportunité se présente, pour moi, ce n'est pas la même opportunité que les signatures, etc. C'est une autre opportunité. Donc, si elle se présente, eh bien, une autre opportunité, quelque chose de chance, ce que vous attendez, certainement que ce sera vrai, certainement que ce sera positif, mais il est possible pour une ou deux personnes d'entre vous que c'est trop beau pour être vrai et donc... Il faut faire attention à la personne qui est derrière ça, derrière cette proposition. Voilà.
Il y a, pour certains d'entre vous, ou pour un ex, qui revient vers vous parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. On a ici le passé qui revient, le passé qui refait surface, d'une manière ou d'une autre. De la part, par rapport à vous, de la part de votre part, ou de la part de quelqu'un qui revient vers vous, qui a fait une erreur. Alors, c'est peut-être pas un ex, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre de votre passé, un ami, une amie. Il y a eu un conflit, et par exemple, enfin, il y a eu une erreur passée qui doit être rectifiée. Qui doit être rectifiée. J'allais couper ma vidéo. Ok, et eh ben voilà. Alors je revérifie. Hein. Voilà, pour voir si j'ai rien oublié, mais non, c'est parfait. Bon, j'espère que vous avez, que c'est clair. Enfin voilà, c'est très positif. Hein. C'est très positif. On vous demande juste de faire un peu attention. Attention aux personnes qui vous entourent. Attention. Oui, voilà. Faites attention à votre entourage parce que pour certains d'entre vous, tout le monde n'est pas positif et tout le monde ne vous veut pas du bien. Mais il y a quelqu'un qui vous veut du bien, qui veut vous protéger, qui veut vous aider ici. Donc, cette personne-là, oui, faites. Mais ça, vous devez ressentir si la personne, elle est honnête ou pas. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui devez le ressentir. Voilà. Bon. Ça, c'est pour les énergies de la semaine, les énergies générales. On va faire les énergies de l'amour. Je vais faire autre chose, on obtient. Je remélange mon jus, j'en ai besoin. Alors, l'amour. Alors, on a ici sur lui, hein, c'est pas celui-là que je devais prendre, enfin c'est pareil, mais celui-là c'est à ma maman en fait. Et il est tellement usé que celui-là il est ancien aussi, mais il est moins usé. Mais celui-là, vous. Vous montre. Il est vraiment fort usé. Évidemment, il a un certain âge. Bon. Jardin et l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ici, on peut dire que ici, on a un certain succès, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui commence, qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter une certaine notoriété. Il y a on voit, alors je vais essayer de donner tous les cas de figure. Ça me parle de collègues, d'amis, de personnes que vous connaissez, de personnes, ouais. Et quelque chose qui va commencer par rapport
à ces gens-là ou par rapport à une situation. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un groupe d'amis, parce que ça me parle ici d'un groupe d'amis ou de... Ouais, de... Ça me parle de personnes. Alors peut-être un groupe d'amis pour certains, une personne qui fait partie de votre entourage pour d'autres, un ou une collègue, des collègues. Enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Je pourrais aussi parler ici. Alors, je vais vraiment donner tous les cas de figure qui me sortent. Enfin, tous les cas de figure un petit peu. J'ai ici ce qui me parle. Dans votre entourage, il y a une personne. Alors, peut-être qu'il y a un enfant, effectivement, mais peut-être aussi qu'il y a une personne un petit peu fragile, un petit peu naïve. Une personne. En fait, cette personne-là, elle ressort ici. C'est une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Trois petits points. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je ne sais pas qui va s'occuper d'elle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous ne voulez plus vous occuper de cette personne? Ou est-ce que cette personne, elle vous gonfle parce que vous avez vos raisons, hein? Voilà. Donc voilà. Il est possible aussi qu'on rencontre quelqu'un dans son. On va rencontrer quelqu'un dans son cercle d'amis, peut-être aussi. Ou une nouvelle connaissance. Bon, je vais poser mes cartes, d'accord. La lune, la maison, le cavalier, le lys, l'enfant, la clé. La dame, le trèfle, le livre, le mont, soleil, le cœur et le cercueil. Ok. Donc ici, les amis, il y a quelque chose qui va déjà. Il y a une page qui va se tourner déjà. Donc vous allez prendre une décision. Peut-être non, pas prendre spécialement une décision, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour. Peut-être justement avec l'enfant qui vient de sortir, qui est de nouveau là. Donc, quelque chose qui va commencer pour vous. On tourne une page sur le passé, par exemple, ou on tourne une page sur une situation, et on va vraiment vers l'avenir. On va vraiment vers l'avenir. On peut voir aussi, dans votre foyer, là où vous habitez, vraiment dans votre... Là, alors, ça me parle d'immobilier, mais ça me parle aussi du foyer. Il y a certaines personnes parmi vous, vous êtes un petit peu. Alors, il y a des personnes qui sont dans l'occulte. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui sont dans l'occulte, dans votre maison. Donc, vous travaillez peut-être, vous êtes voyant, voyante, médium, etc., etc. Donc, ça me parle de ça, donc dans votre maison. Et par rapport alors à ça, ou par rapport à. Alors, par rapport à l'occulte qui se passe chez vous, peut-être que vous recevez aussi, vous voyez aussi des entités. Il y a peut-être quelque chose de nouveau par rapport à l'occulte qui se passe. Vous allez voir des gens. Je sais bien que ce n'est pas dans l'amour ici, mais je dois vous le dire parce que je le vois. Donc, n'ayez pas peur parce que vous êtes bloqué pour certains. Je vois que ça c'était peut-être déjà arrivé. Donc, vous pourriez être bloqué par rapport à une situation qui vous échappe. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous entendez, vous voyez, vous sentez? Enfin, moi, je trouve que ça, c'est génial parce que moi, ça m'arrive, mais c'est super génial. Enfin, voilà. Parfois, quand ça se passe, c'est pas si génial, mais après le recul, c'est vraiment génial. Enfin. Mais il est possible que pour certains, vous ayez de nouvelles visions, des visions, on va dire. Ou alors, on travaille. On travaille sur vous. On vous bloque. On va vous bloquer. C'est peut-être ça aussi. Alors, j'ai envie de vous dire, protégez-vous, parce qu'il y a quelqu'un ou des nouvelles qui arrivent pour vous, qui seront. Un blocage qui vont vous bloquer. Protégez-vous, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente avec le sel. Protégez-vous
protégez-vous, protégez votre maison, les entrées de votre maison, pour que justement les personnes négatives ne puissent plus venir chez vous, que vous puissiez avoir le pouvoir, le dessus sur les personnes. Avec le sel, vous voyez, comme je vous ai expliqué, je vais peut-être le redire pour les gens qui ne savent pas, mais bon. Donc vous prenez du sel, vous ouvrez votre porte. C'est important que je le dise, hein, donc pour les personnes qui ne le savent pas, c'est quand même... Voilà. Parce que là, je vois quand même un gros blocage qui peut arriver vers vous suite à quelqu'un qui essaie de vous manipuler par l'occulte. Voilà. Ou alors une personne négative qui va arriver chez vous. Si vous êtes aussi dans une situation qui vous rend malheureux, malheureuse, mélancolique. Qui vous rend dépressif ou dépressive, sachez que il faut empêcher que les personnes mauvaises viennent chez vous. Alors, les nouvelles, ici c'est plus pour les personnes, mais peut-être pour les nouvelles aussi. Donc, vous prenez du sel de cuisine, pas un kilo, hein, une poignée, une petite poignée. Et vous allez en dessous de votre... Vous ouvrez votre porte d'entrée. On ouvre la porte d'entrée. Vous vous mettez sous le chambranle. OK ? Vous prenez votre main droite et vous allez contre le mur. Alors, vous ne voyez pas. Contre le mur, là. Vous pouvez vous déplacer avec vos pieds. Et alors, vous mettez de là. Vous laissez tomber un petit peu du sel. En disant, jusque là. Vous laissez tomber du sel. Attention, il ne faut pas faire un truc comme ça que les gens ils voient qu'il y a du sel. Et vous laissez tomber quelques grains de sel. Et en disant, par ce geste, j'ai le pouvoir. C'est tout. Merci. Faut toujours remercier quand on fait une demande. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour vous protéger de personnes négatives. Honnêtement, je ne sais pas si ça fonctionne pour les nouvelles. Ça, je ne sais pas. Mais ça vous protège de personnes négatives. Il n'y a pas toujours besoin de demander à Pierre, Paul ou Jacques de vous aider. Vous pouvez vous aider vous-même. D'ailleurs, c'est la plus puissante des manières, c'est de vous aider vous-même. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de donner quelques petits trucs comme ça. Mais je le ferai. Il faut juste que je me prépare dans ma tête. Et puis, j'ai énormément de travail. Donc, voilà. Alors, donc ça c'est une chose très importante que je voulais vous dire. Bon, on revient dans l'amour, et je reste dans l'amour et je ne parle pas d'autre chose, je vais essayer. Alors, il y a ici la réussite, par rapport à l'amour ici, c'est peut-être par rapport à une situation de conflit, ou un divorce, ou une réconciliation. En tout cas, ici, on a vraiment quelque chose qui va commencer... une décision qui va être prise par rapport de la part d'un juge ou de vous. En tout cas, il y a quand même un homme de loi, une personne qui prend des décisions ici, d'accord? On a quand même une personne qui prend des décisions et qui va faire en sorte que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, qui va vraiment... vous allez réussir dans vos désirs et ça va vous amener vraiment vers l'abondance. Donc ça peut être ici une garde d'enfant. Par exemple, effectivement, une garde d'enfant ou quelque chose qui a rapport avec un enfant. Donc, vous allez réussir ce que vous voulez. Vous allez peut-être... ça pourrait aussi me parler d'une personne ici, une personne qui travaille peut-être une personne qui a des responsabilités. Peut-être. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans des énergies le début d'une relation, le début de quelque chose qui va vraiment aller vers du... magnifique. J'ai une réconciliation aussi. Une réconciliation qui pourrait faire que on tourne la page, justement, on tourne une page et on continue notre histoire, la recommencer. On ne saurait pas, parce qu'on ne sait pas revenir dans l'avenir, on ne sait pas revenir dans le passé, mais on continue ensemble. Et peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que vraiment, ici, on se retrouve. Et on est encore plus ensemble. Voilà.
Alors, on a ici une dame. Oh! On a une dame. Alors, vous, madame, votre madame. C'est-à-dire, général, ça peut être monsieur aussi. Alors, on a ici la chance de révéler quelque chose ou de recevoir une révélation. Moi ici, j'ai vraiment un amour qui se développe. Un amour, on vous dit qu'on vous aime, vous dites que vous l'aimez, et vraiment ce secret n'est plus. Donc une liaison secrète qui pourrait aussi être révélée. Mais c'est très très positif, hein. C'est très positif. On a la dame, le trèfle, le livre et le cœur. C'est très très positif, d'accord? Donc une nouvelle relation qui va pouvoir se mettre. On va pouvoir se montrer ensemble. Une nouvelle relation qui pourrait commencer. Alors oui, ça pourrait être quelque chose de secret, hein, aussi pour le moment. En tout cas, peut-être la chance, c'est justement de pouvoir vivre quelque chose de secret ou justement de pouvoir vivre quelque chose que l'on pourrait maintenant, on peut en parler. Mais c'est peut-être aussi une toute nouvelle relation, qui va devoir rester cachée. Mais comme c'est nouveau, c'est positif, on va dire. D'accord? Donc, j'ai effectivement la chance, pour vous en tout cas, ce sera une chance de pouvoir commencer cette relation. Alors, on a la solution par rapport à quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué dans votre amour, vous êtes bloqué dans vos recherches d'un partenaire, d'une partenaire. Mais ici, franchement, les choses se débloquent, regardez. Et on a vraiment des solutions et de la chance. On a des solutions et on va vraiment vers la chance pour pouvoir vous débloquer ici. J'ai effectivement, alors là, on se met en ménage, on se marie, on se fiance. Mais je vois plutôt ici, on achète une maison, on vend une maison, on déménage, on loue. On a vraiment, mais c'est très positif pour pouvoir vivre ensemble. C'est positif par rapport à l'amour ici. Alors là, j'ai une grossesse. La révélation d'une grossesse. Ou on cache une grossesse. Ou on est enceinte et on ne le sait pas encore. Mais effectivement, on pourrait avoir une grossesse. On pourrait vous. Par exemple, madame va révéler à un monsieur qu'elle est enceinte. Positif ou négatif? Je ne sais pas, je n'ai pas assez de cartes. Mais en tout cas, je peux voir qu'il y a une grossesse cachée, révélée, dissimulée. Ou qu'on ne sait pas encore qu'on est enceinte. Effectivement, j'ai d'ailleurs ici, j'ai le pédiatre, j'ai quelqu'un qui s'occupe des enfants. Donc on a beaucoup beaucoup de chance ici par rapport à son foyer. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous aussi dans votre maison, dans une maison, dans un foyer, dans une nouvelle maison ou dans votre maison actuelle, maison, appartement, tente. Voilà quoi. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Un enfant qui pourrait revenir aussi. Parce qu'on est dans l'amour, mais on est aussi dans les énergies sentimentales, amicales. Hein. Mais bon, c'est vrai que je cherche plus pour l'amour. Alors. Alors ici, moi, je vous le dis parce que voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai quand même le psychiatre ici. Hein, le psychiatre ou une maison de soins de santé plutôt pour la santé mentale. No comment. Voilà. J'ai donc le psychiatre, le psychologue, etc., etc. Donc ici, peut-être que vous êtes sous traitement. La personne que vous aimez est sous traitement. Votre enfant est sous traitement. Mais là, on est vraiment dans la fin et dans la réussite donc de cet épisode, triste épisode.
en tout cas un épisode un peu pénible. On arrive à la fin. J'ai aussi... ouais, non. J'allais te parler, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, donc... Des nouvelles qui viennent vers vous que vous attendez depuis longtemps. Vous allez avoir aussi des nouvelles qui vont vous apporter la solution, une solution. Des nouvelles qui vont vous apporter de l'abondance. Des nouvelles qui vont, oui, vous apporter la solution. Par rapport au blocage, je l'ai dit. Un nouvel amour dans la maison. Un amour dans la maison. Oui, peut-être que vous allez vivre un nouvel amour, mais peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un que vous vous aimez, mais c'est un petit peu, voilà, c'est devenu un petit peu très très quotidien. Mais là, ça va changer. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va changer. Il y a la petite flamme qui va se rallumer ici. N'oubliez pas que la petite flamme, il faut la rallumer à deux, pas tout le temps la même personne, parce que force la personne qui rallume tout le temps la petite flamme. Elle va pas, elle en aura marre. Donc voilà. Mais ici, c'est positif, hein? Donc ici, il y a des choses qui se ravivent, il y a des choses qui se... Voilà. Alors, je regarde pour les célibataires. Pour les triangulaires, il y a quand même une révélation ou une cachotterie. Mais cette semaine sera une semaine positive. Cette semaine sera... Ou alors une semaine positive ou pas, mais avec des solutions. On va prendre des décisions. On va prendre des solutions. On va trouver des solutions plutôt. On va trouver des solutions. On va réussir dans. Vous allez. Des choses qui vont se concrétiser. Des choses que vous désirez vont se concrétiser. Il est possible aussi que vous ayez posé des intentions d'amour. Aussi, entre autres, mais je suis dans l'amour. Ouais. Ça se concrétise. Ce que vous avez demandé est en train d'arriver. Voilà. Enfin, c'est très. On va vraiment vers du positif ici. On va vraiment vers du positif. On va vers de l'amour. On a la partenaire. On a l'enfant. Alors, on n'a pas spécialement un enfant, mais il y a quand même. L'enfant peut entrer en compte ici, l'acceptation de l'enfant par l'autre. Voilà. Pour les célibataires, j'ai aussi une rencontre. Ah oui. J'ai une nouvelle rencontre. Peut-être suite à justement à des échanges. Vous allez peut-être aller à un rendez-vous, vous allez peut-être vous rencontrer ou communiquer. Voilà, on va dire communiquer d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un pour faire et un amour qui va évoluer. Alors là, que vous soyez célibataire ou pas, hein, mais un amour qui va évoluer. Il y a une nouvelle rencontre, possibilité de nouvelles rencontres. Ouais. C'est très positif, ce qui se réalise ici, c'est vraiment très positif. Voilà. Bon, on va rester là pour l'amour, je crois que j'ai dit ce que j'ai pu. Et. On va faire le oui ou le non. Elle a fait un tour complet. Ce sont les poissons. Donc on est ici dans la joie, dans l'argent, dans la joie, dans le bonheur, dans le côté aussi à travail, indépendant principalement, déplacement professionnel. On va partir. On va partir, on va faire un voyage et on va trouver du travail. Vous avez peut-être l'intention de partir pour aller travailler ailleurs. Allez, oui ou non?
Je pense ici à un saisonnier, un truc comme ça. Allez, on y va. Posez votre question qui doit être fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. Vais-je pouvoir m'acheter une voiture? On y va. 13 cartes. Si l'anneau tombe, l'anneau ou la croix sortent. L'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. Si ça tombe, ce sera... Voilà. Si c'est dans la coupe, on interprète aussi si c'est là, voilà. Sinon, on prend 13 cartes. Dans les 13 cartes, il n'y a rien. Si ces cartes ne sont pas sorties, la lettre, eh bien... C'est ni oui ni non, je ne saurais pas vous répondre, mais je continue pour ceux qui veulent. Voilà. Allez, on coupe. Bon, moi, de nouveau, le monsieur, j'avais vu tout à l'heure qu'il était en dos de deck, la lettre. Donc, on a des nouvelles d'un monsieur. Un monsieur va vous donner des nouvelles aussi. Recevoir ou donner des nouvelles. Un monsieur, c'est votre monsieur en général ou c'est vous-même, monsieur. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ici, on a le nom. Par contre, là, on a vraiment de belles cartes. On prend une décision, où une décision est prise, et puis on a des nouvelles, on a la maison, le foyer, on a monsieur, et on se regarde. On se regarde. On a quelque chose qui va aller sur du long terme. On a la clé de la réussite. Changement, déménagement, amour. Waouh! Voilà. Alors, c'est non pour ceux qui veulent que je continue. Et deux cartes plus loin, c'est oui. Vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez le non si vous avez envie que ce soit non. Et vous prenez le oui si vous avez envie que ce soit oui. Voilà. Normalement, c'est pas comme ça que ça va, mais c'est un tirage général. Donc, il faut vraiment faire comme vous avez envie de faire. Et partir avec justement... ces énergies qui sont très très positives. Allez, on y va les amis, on y va, on s'en va. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Gros bisous!